Ce mercredi 7 juin, la finale de la saison 14 de Top Chef est diffusée sur M6. Pour prolonger le plaisir au-delà du petit écran, et si vous vous rendiez dans le restaurant de l'un des candidats, suivez le guide. Les cuisines de Top Chef ferment leurs portes ce mercredi 7 juin. Après 15 semaines de compétition, Dany et Hugo se rendent au Georges V à Paris pour concocter un dîner d'exception à 100 convives ainsi qu'aux membres du jury Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Gleneviel et Paul Perret. Au terme de la soirée, l'un d'entre eux ressortira vainqueur de la compétition et clôturera cette saison. Si jamais vous désirez prolonger l'expérience au-delà de votre poste de télé, il vous est possible de déguster la cuisine des deux finalistes pour de vrai. Celle de Dany, pour commencer. Il est récemment devenu le chef du restaurant Le Bayview, situé à l'hôtel Président Wilson, à Genève. Le chef Michel Roth lui a confié les fourneaux de cet établissement, étoilé depuis 2014, alors que le candidat y est entré comme simple commis il y a 8 ans. Comment manger chez Hugo Riboulet de Top Chef 2023? L'autre finaliste de cette édition est Hugo. Jusqu'à la fin de l'année dernière, le jeune homme travaillait en tant que second de cuisine dans le prestigieux restaurant 3 étoiles du Clos de Sens, à Annecy. Pour le moment, le candidat n'est plus au fourneau d'une adresse en particulier. Dans les semaines à venir, on pourra goûter à sa cuisine à l'occasion de résidences à Annecy, Lyon et Valence. Le prodige va également ouvrir son premier restaurant avec une ancienne concurrente, Alban. On va ouvrir un concept de street food pour début novembre, à Sentier, dans le 2e arrondissement, à côté de la rue Saint-Sauveur, révèle-t-il à nos confrères de Téléstar. Top Chef 2023, quelles sont les adresses des restaurants des candidats? Pour goûter au plat du demi-finaliste Mathieu, il va falloir s'asseoir sur son empreinte carbone. Le cuisinier vit en Nouvelle-Zélande mais il compte bientôt rejoindre son frère Jacques, dès le mois de septembre, pour travailler ensemble au Cascada Cocina et Bar, en Espagne. Sarika, quant à elle, est devenue la chef du restaurant Les Résidents dans le 17e arrondissement de Paris jusqu'au mois de juin. Par la suite, elle aimerait ouvrir son propre établissement dans le Nord. De son côté, Carla attend la rentrée pour dévoiler ses projets. Jérémy, lui, est toujours à retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. Il tient une pizzeria à Montréal nommée Fugazi, ainsi que plusieurs adresses, le Milky Way, le Foie Gras, la Toité Cocktail Club et le Barocco. Jean, Alexandre, César. Où manger chez les candidats de Top Chef 2023? Le trublion Jean travaille actuellement à l'ouverture d'une résidence à Paris sur laquelle il ne peut pas encore communiquer. Alexandre, lui, est toujours le chef de son propre établissement, nommé Marchon, situé dans le 11e arrondissement de la capitale. Jusqu'au 18 juin, Léo est en résidence au Ventru, au parc de la Villette de Paris. Ensuite, il désirerait prendre en main une adresse en Alsace en début d'année prochaine. Il faut aussi quitter la France pour tester la cuisine de César. Le chef vient d'ouvrir un cornet nommé le Fox, un food market à la Royale Belge de Bruxelles. Pour sa part, Gaston est en résidence à partir du mercredi 7 juin à la Nouvelle Scène pendant un mois dans le 5e arrondissement de Paris. Bérangère, la première éliminée de la saison, occupe toujours le restaurant C'est Lune, dans le 11e arrondissement, où elle est propriétaire. Miguel et Victor, pour terminer, n'ont pour l'instant pas d'adresse à laquelle les retrouver.